Yo les gens, ici Vernalcloud 238. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, les gens, on se retrouve pourquoi? J'ai sorti ma vidéo tantôt. C'était les prédictions de Raw après WrestleMania. Vous aurez la description. Mon pote Matrix est mon pote Saturn Dax. On va partir aujourd'hui pour les prédictions du SmackDown après WrestleMania. Nous aurons le Roman Reigns en live. Il va peut-être nous parler un peu de ce qui se passe et tout pour voir qui c'est qui est le prochain. Après, on aurait Otis contre Ziggler! Et le vainqueur se marie avec Mandy Rose. Que tire de cette rivalité, les gars? L'amour donne des ailes, hein? Bon, enfin bref, je vais miser Otis. Otis est au cœur! Ce match-là, parce que je n'aime pas du tout Dolph Ziggler. Après, nous aurons Jimmy Uso versus Kofi Kingston. Choix difficile, les potes. Perso, je vais miser sur les deux. 50-50. Après, nous aurons Bray Wyatt le Finn, un épisode spécial de la Final Fantasy Fat House. Alors, j'ai vu le match contre John Cena à WrestleMania. Et perso, si vous avez compris quelque chose au match, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, je n'ai rien compris du tout. Ça part dans les délires du repassé. Ça revient. Il est arbitre, on ne sait même pas où il est. Les victoires de Finn, le ring de Cena, Kellerman Co., je ne sais plus trop comment ils appellent. Enfin, bref. C'est un excellent match. Vas-y pour le comprendre. Parce que John Cena, il arrive normal sur l'arène. Après, il va dans la Final Fan House. Après, il se passe des trucs et tout bazar. Je vais pas dire tout le match entier parce que Matrix l'a pas vu, donc il va me râler dessus. Mais franchement, bon match, hein. Mais vas-y pour le comprendre. Après, nous aurons Daniel Bryan et Braun Strowman, colonel, contre Shinsuke Nakamura et Sheamus. Vous savez déjà qui c'est que je vais miser. Je vais miser Daniel Bryan et Braun Strowman parce que je n'aime pas Shinsuke et Sheamus. Mais peut avoir un retour surprise ou une intervention dans ce match-là. Après, nous aurons le SmackDown Women's Championships entre Bayley et Sasha Banks. Un peu de nouveauté. Je vais mettre Sasha Banks championne. Et puis après, nous aurons Roman Reigns contre John Moisson, comme dirait le directeur automatique. Le correcteur automatique, mais en vrai, ça c'est John Morrison, qui ont conservé les titres à WrestleMania, avec le Miz, les amis. Mais j'ai pas vu le match, donc je saurais pas vous analyser tout bazar et tout ça pour l'instant. Mais entre Roman Reigns et John Morrison, je vais choisir Roman Reigns. Et je pense qu'on a. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme c'est le SmackDown après WrestleMania, donc il peut avoir des débuts, des nouveautés. Dites-moi dans les commentaires qui c'est qui aimerait vous voir comme début. Et dites-moi aussi dans les commentaires qui c'est qui aimerait vous voir comme retour, par exemple. Donc, allez-y, faites vos jeux, les amis. Les dés sont lancés. J'espère juste qu'ils vont juste remettre le WWE Live à Bruxelles l'année prochaine. C'était magique à mort. Cette année, on y va. Dommage qu'on peut pas filmer. Je vous ferai peut-être un petit résumé du show. Si Matrix vient ou Saturn Dax vient, je vous ferai un résumé avec eux s'ils veulent. Mais à voir tout ça, à voir. Voilà quoi. Sur ce, la chaîne de mes potes seront en description. Nouvelle musique, toujours pas retrouvée. Je vous explique les gens. J'ai fait le montage. J'ai enregistré la vidéo. Mais la vidéo, vu que ça n'a pas été enregistré dans le fichier, je sais pas où elle est passée. Donc ma nouvelle musique a disparu. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais la recommencer. Et normalement, elle sortira dans la semaine. Dans la semaine prochaine, ou fin du mois. Je ferai une musique une fois par mois. Vu qu'il y a déjà Vertex House qui est déjà sorti ce mois-ci. On va voir, on va voir. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Restez chez vous. Faites pas les cons comme Matrix dirait s'il était là. Sur ce, on se retrouve à l'heure où ce que je vous parle. On est lundi aujourd'hui, je pense. Lundi, mardi. Enfin, après, je sais plus quel jour on est, c'est pas grave. C'était moi. La suite au prochain épisode.